Nouveau sur TV et Radio de Vie. Donc, euh, nous sommes de nouveau en direct sur TV et Radio de Vie. Que le Seigneur soit béni pour votre présence, mes amis, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Donc, ce soir, nous allons bien sûr parler du deuxième cavalier et, euh, ou encore de l'ouverture du deuxième saut. Nous sommes euh, euh, bien sûr dans Apocalypse chapitre 4, chapitre 5 et chapitre 6. Et dans le chapitre 4, nous apprenons que Jean va recevoir une invitation et euh, depuis le ciel pour se rendre justement au ciel et euh, afin de recevoir de nouvelles révélations concernant le futur, concernant l'avenir la, de l'humanité. Et il le dit euh, qu'après ces choses, je regardais. Voici une porte qui était ouverte dans le ciel et la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui parlait avec moi me dit Monte ici, je te montrerai les choses qui doivent arriver à l'avenir. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et donc, on apprend ici dans le chapitre 4 que Jean arrive au ciel et il va voir un trône, il va voir les quatre êtres vivants, il va voir également les 24 anciens. Et, euh, et dans le chapitre 5, qu'est-ce qu'il nous enseigne, qu'est-ce qu'il nous apprend Dans le chapitre 5, au verset premier, il dit, Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le, sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis aussi un ange remarquable par sa force qui proclamait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les seaux. Il n'y avait personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, qui pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'était trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici le lion qui vient de la tribu de Judas, de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et pour en rompre les seaux. Et je regardais, et voici, il y avait au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau qui se tenait là comme immolé, ayant sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Donc on voit ici que Jean, quand il arrive au ciel, il voit le trône, il voit les quatre êtres vivants, il voit les vieillards, et il voit également quelqu'un qui est assis sur le trône, cette personne, cet être assis sur le trône, qui avait un livre dans sa main droite. Scellé de sept seaux, un livre fermé. Sept, c'est le chef de la perfection. Ce livre était tellement fermé que personne, dira Jean, ne pouvait l'ouvrir. Tellement qu'il était fermé, tellement qu'il était scellé. Et il a pleuré et on lui dit ne pleure pas parce que quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un qui, 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 qui est là, l'agneau de Dieu, le lion de, de Judas, qui a vaincu et c'est lui qui est digne de pouvoir l'ouvrir. Pourquoi Jean a pleuré Parce que tout simplement, et, euh, ce livre contenait bien sûr. L'avenir hein, contient les révélations, en rela à, 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 les révélations de l'humanité sur la, la, la venue de l'humanité. Et il a pleuré parce que si ce livre n'était pas euh, ouvert, eh c'est comme si l'avenir de l'humanité était compromis. Il a pleuré. Un peuple sans avenir, sans avenir est un peuple, mes amis, euh, une personne dont l'avenir est compromis. Euh, cette personne ne, ne peut que, n'est-ce pas, si Dieu ne l'aide pas, elle, elle risque de se suicider. Et, euh, et là, Jean a pleuré. Alors qui harcelait ce livre-là C'est Daniel, comme on l'a vu la dernière fois, dans Daniel chapitre 12. Il avait reçu beaucoup de révélations. Il voulait sonder, hein, il a fait des investigations, des recherches, Daniel notamment, sur les révélations, les visions, les songes que Dieu lui avait donnés concernant l'avenir de l'humanité, concernant également euh, l'avenir d'Israël, de Jérusalem, son avenir. Et Dieu, par un ange, dira à Daniel eh ben, "Tiens secrète ces paroles. Seul ce livre, seul ce livre, parce que eh, les choses dont il est question ne concernent pas ta, n'est-ce pas, ta génération, mais elles concernent le futur de l'humanité, le futur d'Israël." Alors là, et Daniel va sceller ce livre-là, et, euh, et puis euh, il fallait quelqu'un d'autre pour l'ouvrir. Et l'agneau est venu là, ouvert. Et dans le chapitre 6, justement. Et euh, il est question de l'ouverture de ces, ces seaux, et hein, de, 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 de ce livre. Et quand l'agneau eut pris l'un de. Quand l'agneau eut ouvert l'un de seaux, je regardais et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait, comme avec une voix de tonnerre, vient et vois. Et, et je regardais et je vis un cheval blanc. Celui qui était monté dessus avait un arc et il lui fut donné une couronne. Et il est sorti en vainqueur pour vaincre. Et on a vu la dernière fois qu'il est sorti en pour conquérir, il est sorti en tant que conquérant et pour conquérir. Donc on a vu ici que le cheval blanc, bien sûr, euh, c'est l'image aussi de la séduction parce que et, euh, Satan vient à nous en vêtements, les faux prophètes également, de brebis, hein, et, euh, juste pour séduire. Donc ici, ce premier cavalier, on l'a vu, hein, c'est euh, bien sûr l'Antéchrist, et il part pour vaincre, il sort pour vaincre. Et tout de suite dans le chapitre... Euh, au verset 3, donc c'est le, le verset qui nous intéresse ce soir, et, euh, il est question bien sûr de la guerre. Hein? Et là, on va lire en fait le verset 3, il, où il est question de l'ouverture du deuxième seau. Et quand il eut ouvert le second saut, j'entendis le second être vivant qui disait Viens et vois. Et il sortit un autre cheval qui était roux, un cheval qui était roux, et il fut donné à celui qui était monté dessus. Le pouvoir d'ôter la paix de la terre, afin que les hommes se tuent les uns les autres, et il lui fut donné une grande épée. Alors l'ouverture de la, ça c'est l'ouverture du second euh, saut, et, euh, et on nous parle ici, n'est-ce pas, d'un cavalier à qui le pouvoir est donné pour, n'est-ce pas, enlever la paix de la terre. Et nous savons tous que le contraire de la paix, c'est le trouble. Le contraire de la paix, c'est la confusion. Et vous, allez, vous, vous serez d'accord avec moi que c'est le temps dans lequel nous sommes. C'est la confusion. Il y a des guerres partout. Et vous me direz, mais il y a toujours eu des guerres. Oui, mais notre génération connaît une croissance exponentielle des troubles de toutes sortes. Et euh, on nous dit que... Le cheval ici, le premier cheval, on a vu qu'il était blanc, c'est la séduction, n'est-ce pas pour, euh, voilà, Parce qu'en en fait, Yeshua, quand il reviendra selon euh, 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 Après 19, il sera également assis sur un cheval blanc. Donc on voit bien ici l'Antéchrist qui essaye de, bien sûr de singer Dieu hein, euh, comme son maître, hein, comme son père, comme le diable, comme le serpent ancien. Et bien là, pareil, il va, essayer de, il va chercher un cheval blanc juste pour faire croire aux gens qu'il sera un homme, euh, qu'il est le Messie. Et, et là, le deuxième cheval, n'est-ce hein, pas? Le deuxième cheval ici, par contre, il est roux, c'est-à-dire il, euh, il, est, il est rouge, parce que le, le, la racine de, de ce mot grec ici, traduit par roux, euh, signifie feu. Hein, donc, il euh, nous parle du feu, rouge feu. Et on retrouve et, euh, et, euh, ce même mot dans Apocalypse 13. Apocalypse ah, 12 également, eu les questions du dragon, hein, d'un dragon qui, qui était euh, euh, de la couleur rouge feu. Donc, pourquoi le rouge ici? Ah ben c'est la couleur bien sûr du sang. Donc on voit bien que l'épée, bien sûr, si vous avez une épée, bien sûr, ben, vous ne pouvez que... Ben, avec une épée, on peut blesser. Et quand on blesse quelqu'un, ben, le sang coule. On voit bien que le deuxième cavalier a reçu le pouvoir hein, de verser beaucoup de sang. C'est la guerre. Vous avez vu que le premier cavalier, c'est l'Antichrist qui vient avec son cheval blanc pour séduire les gens. Mais à un moment donné, les gens verront, beaucoup verront qu'en en fait, c'est un, un impie, c'est un, 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 un méchant, un malin. Et, euh, et là, ben, il, ça va être la guerre. Donc, ça, c'est la suite logique. Hein. Donc, vous voyez, c'est la suite logique. Il part pour vaincre. Et tout de suite après, lors de. À l'ouverture du deuxième saut, on nous parle du sang qui va couler, on nous parle de, 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 cette, de ce cheval qui est, qui, qui, qui a, qui est rouge, qui, qui est roux, qui, qui. Et euh, voilà, et là la paix va être enlevée de la terre, la paix. Mais regardez bien, mes amis, et euh, notre génération manque de paix. Il n'y a pas de paix. Il y a des troubles. Aujourd'hui, les gens sont euh, de plus en plus angoissés. Les gens vivent sur ils sont sur les nerfs. voyez? Pourquoi? Parce que ben, le monde va mal. La guerre. Ou encore, je dirais, euh, et euh, mes amis, les guerres, parce qu'il y en a de plus en plus. Regardez bien ce que le Seigneur va dire dans le livre de et, euh, Luc, chapitre 21. En fait, il va répondre à la question euh, des apôtres concernant euh, la fin de temps. Luc, chapitre 21, le Maître dit ceci, à partir du verset 5. Et quelques-uns disaient du temple qu'il était orné de belles pierres et d'offrandes. Et il dit, donc Yeshua, est-ce cela que vous regardez les jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit démoli. Et ils lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver Et il dit, Prenez garde que vous ne soyez pas séduits. Car plusieurs viendront en mon nom, disant, C'est moi qui suis le Christ et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler des guerres et des soulèvements, ne vous épouvantez pas, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Waouh C'est terrible, mes amis. C'est terrible. Et euh, donc, il dit qu'il y aura, vous entendrez parler des guerres. Ah ben oui, on entend parler des guerres de plus en plus. Comme présentement, il y a, mes amis, des tirs hein, qui sont, euh, qui retentissent hein, à Brazzaville. Voilà. Donc, euh, depuis euh, cette nuit à 3 heures. Et euh, et euh, voilà, donc, et on voit que euh, le monde va mal. et Il y a des guerres partout, 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 partout. Et je tiens à vous, à, à vous dire qu'il euh, y a seulement 3 pa 11 pays qui ne sont pas concernés présentement. Hein, donc, euh, et selon les statistiques, il y a seulement 11 pays sur les 162 pays, n'est-ce pas et, euh, Il y a seulement 11 pays qui ne sont pas concernés. Par les troubles, par les guerres. 11 pays. Parmi ces pays, ben, vous avez la Suisse, par exemple. Vous avez le Botswana, en Afrique. Vous avez et, euh, le Panama, en Amérique latine. Vous avez. Euh, et, euh, comment dire. Il euh, euh, y a quelques pays comme ça, là, qui, qui, le, le Qatar, selon euh, ses, ses, cette statistique. Et euh, 11 pays en tout. Il y a le Vietnam aussi. 11 pays et le reste vous vous rendez compte mes amis le reste des pays sur les 162 pays mes amis euh, il n'y en a que 11 qui ne sont pas concernés par les troubles par les guerres actuellement depuis 2014 et le reste mes amis sont impliqués directement ou indirectement hein, dans les conflits euh, mes amis euh, armés dans les conflits armés et il y a aussi le brésil qui n'est pas concerné par ces guerres voyez bien que mes amis c'est quand même impressionnant donc ça veut dire que la terre est sur une poudrière nous sommes sur une poudrière Rappelez-vous bien que la, la, la première puissance nucléaire, euh, euh, c'est la, la Russie, qui, selon les statistiques, possède près de 9 000, hein, plus de, près de pardon, 12 000 euh, 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 têtes nucléaires, hein, des ogives nucléaires, et, euh, et, euh, et les États-Unis qui est la deuxième puissance nucléaire euh, au monde. Il possède près de 9000 euh, ogives nucléaires. Et il y a aussi la France qui possède à peu, à peu près 30, mes amis, euh, ogives. Il y a la Grande-Bretagne qui possède à peu près 30. Il euh, y a euh, bien sûr euh, a le Pakistan, 60 à peu près. L'Inde, 50. Et il euh, euh, y a la, la Chine, à peu près 200. Hein, vous rendez compte, mes amis. Et euh, bien sûr, il y a Israël aussi qui a une puissance nucléaire, mais bon, ils disent pas combien euh, n'est-ce pas de bombes ils possèdent. Il y a l'Iran qui certainement, qui va posséder également, selon euh, les prophéties publiques, hein, parce que l'Iran c'est la Perse, c'est l'ours, qui aussi va certainement avoir la bombe nucléaire. Il y a aussi le, il y a aussi comment euh, euh, et, euh, ce, ce pays euh, comment euh, avec Pyongyang, ben, Pyong, euh, voilà. Donc, euh, la Corée du Nord qui possède aussi euh, l'arme nucléaire. Donc, vous vous rendez compte, mes amis, et selon les scientifiques, hein, les scientifiques nous disent qu'il nous reste, comme on l'a souvent annoncé, qu'il nous reste seulement trois minutes dans l'horloge nucléaire. Ils disent qu'ils tirent la sonnette d'alarme en disant que si les gouvernements de ce monde n'interviennent pas pour, n'est-ce pas, détruire leur arsenaux nucléaires, ben la Terre euh, ben, va être complètement pulvérisée. Donc, vous voyez bien, mes amis, que nous sommes. Euh, pour votre information, ça, on va le développer, nous sommes déjà dans la troisième guerre mondiale. Voilà, donc entre, bien sûr, euh, c'est la troisième guerre mondiale, on va, vous le, on va le dire clairement ce soir, hein, parce que vous devez être enseigné, c'est une, une guerre euh, religieuse, la guerre de religion. Voilà, mes amis, euh, la, la vraie, le vrai visage de la troisième guerre mondiale, guerre dans laquelle les nations, toutes les nations... De près ou de loin sont impliqués. Même la Suisse aujourd'hui euh, est concernée aussi par, bien sûr, le terrorisme. Donc, euh, et euh, mes amis, c'est une guerre, c'est la guerre de religion. Et vous savez qu'il y a eu la guerre de religion, par exemple, en France. On va parler de cela un peu euh, tout à l'heure. Mais je voudrais d'abord vous appeler, vous, a, vous inviter à vraiment euh, comprendre, à saisir la prophétie biblique. Qui nous annonce, selon Yeshua, notre Seigneur Jésus-Christ, que avant son retour, il va y avoir des troubles, qu'il va y avoir des guerres. Il y en a toujours eu des guerres, mais comme vous le savez, notre génération, mes amis, connaît beaucoup, beaucoup de, de troubles plus qu'avant, plus qu'avant, parce qu'aujourd'hui, mes amis, les sociétés qui vendent d'armes a de plus en plus, il y en a des armes de plus en plus sophistiquées et qui font de plus en plus de dégâts. Et donc, on est vraiment, mes amis. On est déjà dans la Troisième Guerre mondiale. Et Yeshua a dit qu'il va y avoir des guerres. Et regardez ce qu'il dit toujours dans Luc, chapitre 21, à partir du verset 20. Et quand vous verrez Jérusalem environnée par les armées, sachez alors que sa désolation est proche. Vous voyez et il nous dit que Jérusalem sera environnée par les nations. Et au verset 24, il dit Et ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Vous voyez bien que le deuxième cavalier a une épée qui lui a été donnée. Et Yeshua, ici notre maître, nous apprend que eh bien, avec l'épée en question là, ce cavalier va faire beaucoup de dégâts mes amis euh, euh, en Israël, beaucoup de dégâts. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds, sera foulée par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soit accompli. Voilà. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les, les temps des nations soient accomplis. Donc on voit bien que Yeshua nous dit qu'ils vont tomber sous le tranchant de l'épée. Ils vont être égorgés. Vous voyez, égorgés. Donc le deuxième cavalier, mes amis, est, euh, va ôter la paix de la terre. Et nous sommes en train ici de vous dire que c'est la guerre, c'est la guerre de religion. Vous voyez? Et l'objectif du deuxième cavalier, c'est d'égorger c'est de tuer les gens par l'épée. Vous voyez, c'est pas, c'est. Voilà, donc c'est vraiment avec l'épée que ce cavalier et, euh, va égorger les gens. Donc, vous voyez, c'est la, la guerre de religion. Et euh, en fait, c'est la guerre entre Isaac et Ismaël. Voilà, les deux enfants d'Abraham. Et euh, et ça va être, mes amis, ça va s'intensifier parce que les Écritures nous annoncent que, eh ben, quand les hommes diront paix et sûreté, hein, c'est alors qu'une une destruction soudaine s'abattra sur eux. Regardons ce que la parole nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 1 Pour ce qui est des temps et des moments, mes frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, puisque vous savez vous-même très bien que le, Seigneur, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand ils diront, nous sommes en paix et en sûreté, alors une destruction soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Voilà, donc euh, Paul a reçu du Seigneur que les hommes de ce monde allaient... Euh, euh, Penserait, n'est-ce pas, selon Paul, bien sûr, et selon l'esprit, et ça, ça se vérifie, ça s'est effectivement concrétisé, que les hommes de ce monde vont croire, n'est-ce pas, ils vont tout faire pour mettre en place un organisme international dont l'objectif est d'assurer la paix et la sûreté sur la terre. Et pour votre information, euh, cette parole de Thessaloniciens 5 s'est accomplie. Hein. Lorsqu'ils diront paix et sûreté, eh bien, ça veut dire littéralement, Paul voulait dire par l'esprit, que les hommes de ce monde, à cause des troubles, ils vont essayer de mettre en place un organisme international. Et c'est exactement ce qui s'est passé après la Première Guerre mondiale. Eh bien, les, les, les nations européennes, n'est-ce pas? D'abord, dans un premier temps, vont s'organiser et créer ensemble la société des nations dont L'objectif, principal, était, n'est-ce pas, la, 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 euh, la gestion des conflits, hein, la mise en place d'une paix internationale, une paix universelle, la gestion des conflits euh, armés, hein, conflits armés. Et, et malheureusement, ça n'a pas marché, parce que cette société de nations, cet organisme international, n'a pas pu justement éviter, hein, euh, euh, à empêcher plutôt euh, la Deuxième Guerre mondiale. Et à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, les nations vont enfanter, engendrer euh, euh, l'ONU avec le président américain américain Wilson. Donc ils vont engendrer l'ONU pour, n'est ce pas, assurer la paix sur terre. Et comment appelle t on les soldats de l'ONU les casques bleus? Voilà, est-ce qu'on peut avoir l'image un peu de casque bleu Vous allez voir à quel point les écritures sont vraiment d'actualité. À quel point la Bible, n'est-ce pas, est d'actualité. C'est vraiment le livre des livres. Paul l'a dit dans 1 Thessaloniciens. nous sommes ici au premier siècle après, Jésus, après la mort de Yeshua et son élévation au ciel. Nous sommes au premier siècle. Et Paul reçoit de l'esprit que les hommes vont dire, nous sommes en paix, en sûreté. C'est comme s'il disait, les hommes vont créer, mettre en place l'ONU. N'est-ce pas Pour la paix de la terre. Eh bien là, ils ne vont pas avoir cette paix parce que sans le prince de paix, il n'y a pas de paix. Regardez euh, les casques bleus. On va vous montrer quelques images. Hein. Voilà. Et quelle est leur mission eh Ben c'est le maintien de la paix, le maintien de l'ordre, de la paix dans les nations. Et le contingent le plus important de l'ONU hein, se trouve. Au Congo-RDC, dans l'Est, il y a près de 20 000 soldats euh, de casques bleus. D'ailleurs, pour votre information, beaucoup sont euh, accusés hein, de toutes sortes d'exactions, euh, des viols d'enfants, justement. Et, euh, et euh, voilà, donc on va, vous voyez, donc ça c'est l'ONU, euh, les casques bleus. Et ils sont là pour le maintien, selon, bien sûr, les hommes, de la paix. Mais depuis que cet, cet organisme international a été créé, et, euh, depuis qu'il est créé, hein, cet organisme, tout ça, euh, la paix n'est toujours pas là. Voilà. Donc là, je crois que c'est dans l'est de la RDC. Et il y a euh, beaucoup, beaucoup de, euh, beaucoup de victimes. Et euh, il y en a euh, dans pas mal de pays. Il y a au Mali aussi. Et euh, en Centrafrique. Voilà. Donc, euh, c'est un organisme qui compte. Euh, euh, ben les soldats euh, issus de toutes les nations. Donc vous voyez bien que mes amis, qu on est vraiment euh, à, à la fin. Et euh, donc la parole est digne de confiance, la prophétie biblique est digne de confiance. Donc les guerres, donc le deuxième cavalier va amener des troubles, va enlever la paix de la terre. Et c'est déjà le cas, il n'y a plus la paix. La terre n'est plus euh, ce petit coin, mes amis, euh, de paradis euh, où euh, euh, tout le monde peut, pouvait... Euh, euh, n'est- ce pas se retrouver se reposer euh, on peut mourir à tout moment on prend le train une bombe peut exploser euh, tout peut arriver aujourd'hui tout peut arriver à n'importe quel coin du globe il du globe, n'y a plus un seul y a pas un seul pays qui ne soit euh, épargné à l'heure actuelle donc les conflits armés euh, se sont globalisés et, euh, voilà donc maintenant et, euh, quelles sont les raisons pourquoi les guerres quelles sont les euh, n'est ce pas? Les, les motivations des gens, euh, pourquoi font-ils la guerre et euh, quelles sont, euh, et, mes amis, euh, les, les, les raisons hein, euh, qui poussent les hommes à se faire la guerre. Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs, plusieurs raisons que nous allons, bien sûr, euh, euh, développer. Mais avant de développer ces, 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 ces raisons, est-ce qu'on peut montrer les, les, quelques images, là aussi, là, de, des guerres que je vois là, quelques... Euh, voilà, de Brazzaville, par exemple. Et, euh, est-ce qu'on a d'abord les images de, de, de la RDC Parce qu'on va commencer par là. Donc, euh, je crois qu'on peut trouver ces, ces, ima ces images. Euh, voilà, par exemple, là, c'est les troubles de Braza. Euh, je ne sais pas quand est-ce que. Je crois que un. Euh, la guerre du Congo en 1992, si je ne me trompe. Voilà. Donc, euh, des troubles, voilà, des morts. Et. Euh, alors, bah, on continue à, à, à montrer ces images, hein, pas de problème. Et euh, pendant que je fais la, quelques lectures ici. Merci Seigneur. Alors, bien sûr, euh, comme vous le savez, hein, euh, on reste sur l'image, hein, c'est ce que les gens voient chez eux, David, merci. Hein. Depuis toujours, l'homme se bat avec son prochain. Et à plusieurs reprises euh, au cours de l'histoire, bien sûr, des guerres particulièrement meurtrières ont eu lieu, faisant plusieurs millions de victimes. Donc on va... Euh, en fait, selon les historiens, il y a dix guerres. Hein, qui, euh, il existe, dix, il y a, il y a en tout, il y a eu plusieurs guerres, mais dix sont les plus meurtrières hein, de l'histoire de l'humanité. Et euh, la première dans la liste, c'est euh, donc euh, on commence par la dixième, euh, la deuxième guerre du Congo, hein, Congo RDC par exemple, et euh, qui a commencé cette deuxième guerre a commencé en 98. Donc, euh, qui a fait euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui, depuis 1998, parce qu'il y a toujours des troubles dans l'Est notamment, donc nous sommes au Congo RDC, et euh, cette guerre a fait plus de 7 millions de morts aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, euh, c'est la, 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 la plus grande guerre dans l'histoire africaine moderne dans laquelle furent impliqués huit pays africains et près de 25 groupes armés. Et en 2008, on a estimé que la guerre et ses conséquences, cette guerre et ses conséquences avaient tué près de euh, plus de cinq plus de millions de personnes, principalement de maladies et de famines, faisant ainsi de la guerre, euh, de la deuxième guerre du Congo, le conflit le plus meurtrier dans le monde depuis la deuxième guerre mondiale. Vous vous rendez compte, mes amis? C'est-à-dire la deuxième guerre au Congo. Là, nous sommes, l'image que vous avez sur votre écran, eh c'est l'armée congolaise qui est en guerre. Et cette guerre a débuté en 1998. Et elle a fait plus de 7 millions de morts. Et on dit bien, hein, cette guerre-là est, mes amis et. Euh, euh, C'est le conflit le plus meurtrier dans le monde depuis la Deuxième Guerre mondiale. Vous vous rendez compte, mes amis Et les médias n'en parlent pratiquement pas. Et cette guerre se poursuit encore aujourd'hui. Et euh, comme je vous dis, des enfants qui sont violés, des, des, des jeunes femmes violées, des parents violés, et, euh, des, des enfants à qui on demande de violer leur mère. Vous voyez Et euh, beaucoup de fausses communes. Et jusqu'à l'heure actuelle, il y a encore des troubles. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de minéraux là-bas, hein, du coltan, tout ça, diamant, euh, de l'or, beaucoup, beaucoup de minéraux, et euh, cobalt. Et on tue, on tue, on tue, on tue, on tue. Et euh, voilà, plus de 7 millions de morts. Et euh, ensuite, nous avons euh, la guerre civile russe qui a débuté. Euh, en 1917, hein, de 1917 à 1921, euh, il y a eu près de euh, euh, 9 millions, n'est-ce pas, de, 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 de morts, hein, près de 9 millions de morts. Et la guerre civile russe a eu lieu au sein de l'ancien empire euh, russe, après le renversement du pouvoir par les bolcheviks, qui prit le pouvoir d'abord à Saint-Pétersbourg. Euh, avant d'étendre leur domination à toute la Russie. À la, Ru la Russie, pardon. Voilà. Donc, il y a plusieurs guerres. Après, il y a la révolte, par exemple, de Dungan, en Chine, hein, qui a fait près de 12 millions de morts. Hein. Donc, euh, euh, c'est un, une révolte des membres de la communauté euh, euh, oui Donc, c'est des Chinois convertis à l'islam. Et euh, ainsi que d'autres groupes ethniques musulmans dans les provinces chinoises de Shaanxi, euh, du Gansu, tout ça là. Et ensuite, vous avez euh, la, la conquête de Tamerlan, hein, la conquête de Tamerlan, pardon, Tamerlan, c'est au Moyen-Orient, c'est en Inde, l'Asie centrale, la Russie, tout ça. Il y a eu près de 20 millions de morts. Hein, donc, la conquête de Tamerlan, près de 20 millions de morts, voilà. Et, euh, donc, euh, Tamerlan connu aussi euh, sous le nom. Euh, de Timour, euh, voilà, et était un guerrier turco-mongol du 14e siècle, conquérant d'une grande partie de l'Asie centrale et de l'Ouest, faisant massacrer intégralement la population des villes qui lui, euh, lui résistaient. Voilà. Et ensuite, ensuite, à la sixième position, vous avez euh, la Première Guerre mondiale, essentiellement en Europe. La Première Guerre mondiale. Et hein, de 1914 à 1918, il euh, y a eu une estimation des victimes à peu près euh, 65 millions. Hein, donc le, ça c'est l'estimation haute. Et l'estimation basse c'est 15 millions de morts essentiellement en Europe. La Première Guerre mondiale fut une guerre majeure centrée en Europe qui a débuté à l'été 1914 et a duré jusqu'en novembre 1918. Deux camps se sont opposés. Hein, donc la triple Entente et les empires centraux. La triple entente était composée de la France, du Royaume-Uni, de la Russie et des empires qu'elle contrôlait en tant que grande puissance coloniale. Donc la coalition des empires centraux était initialement constituée de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie et des empires qu'elle contrôlait avant d'être rejoint par l'Empire ottoman et le Royaume de Bulgarie. Donc bien sûr, ce conflit va mobiliser près de 70 millions de militaires, dont 60 millions d'Européens. Vous vous rendez compte, mes amis Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Et une autre guerre, la révolte de Taiping, donc la Chine. Et nous sommes ici en 1851, et ça a duré jusqu'en 1864. L'estimation haute fait de cette guerre, cette guerre a fait près de 30 millions de victimes. L'estimation basse, près de 20 millions de victimes. Voilà. Donc, et ensuite, il y a eu la domination de la dynastie de Xing. Hein, des de, de Guing, pardon, en Chine toujours, et ça a fait, cette guerre a fait près de 25 millions de victimes. Hein, 25 millions de victimes, c'était au, au 17e siècle, 1616 à 1662. Voilà, donc, euh, et, euh, et ensuite nous avons euh, une autre guerre, la conquête ou les conquêtes mongoles, hein, lieu Asie, Europe de l'Est et le Moyen-Orient. Donc nous sommes en 1207. Cette guerre a duré jusqu'à 1472. L'estimation haute fait de... Euh, cette guerre a fait de... Selon l'estimation haute, cette guerre a fait près de 60 millions de victimes. Donc Vous avez les images à chaque fois. Merci l'équipe. Et l'estimation basse fait de... Euh, cette guerre a fait près de... Selon l'estimation basse, près de 30 millions de victimes. Voilà. Donc, euh, voilà. Et ensuite, nous avons la révolte d'An Lushan, toujours en Chine. Donc, nous sommes en 700... 55. Cette guerre a duré jusqu'à 763. Il y a eu près de 36 millions de victimes selon l'estimation haute et 33 millions de victimes selon l'estimation basse. Et puis bien sûr, vous avez en, en premier lieu la Seconde Guerre mondiale. Donc là, cette guerre-là, la Deuxième Guerre mondiale, a concerné vraiment le monde entier. C'était le monde entier qui était impliqué. Donc euh, ça a commencé en 1939. Et ça a duré jusqu'à 1945. Donc la guerre a duré six ans. L'estimation haute fait... Euh, donc cette guerre, selon l'estimation haute, a fait près de 72 millions de morts, de victimes. Vous vous rendez compte à chaque fois les chiffres, mes amis, c'est terrible. 72 millions. Et euh, selon l'estimation basse, cette guerre a fait près de 40 millions de victimes. Donc la Seconde Guerre mondiale fut un conflit militaire mondial qui a eu lieu de 1939 à 1945, impliquant la plupart des nations du monde, y compris toutes les grandes puissances. Deux alliances militaires se sont affrontées, les Alliés et l'Axe. Ce fut le plus important conflit de l'histoire avec près de 100 millions de militaires mobilisés. C'est immense, 100 millions. Dans un état de guerre totale, les principaux participants avaient placé toutes leurs capacités économiques, industrielles et scientifiques au service de l'effort de guerre, fusionnant les moyens civils et militaires. Voilà, et militaires. La Seconde Guerre mondiale reste le conflit le plus meurtrier de l'histoire durant lequel périrent des millions de civils, en particulier à cause de l'Holocauste. C'est également la seule, la seule guerre durant laquelle on a eu recours à l'usage d'armes nucléaires. Donc, euh, d'où les, 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 les deux bombes nucléaires qui ont été lâchées par les États-Unis, mes amis. Voilà. Et, euh, et ensuite, vous avez euh, actuellement une autre guerre, cette guerre-là, mes amis, qui, bien sûr, concerne toute l'humanité, hein, donc toute la Terre, c'est la guerre de religion. Alors, la, 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 les religions ont fait plusieurs, plusieurs victimes aussi, hein, la, la guerre de religion. Et euh, voilà. Il y a eu plusieurs victimes. Et. Euh, c'est incroyable. Et, euh, et euh, par exemple, en France, hein, la guerre de religion a duré euh, plusieurs années, hein, plusieurs années, durant lesquelles plusieurs personnes ont été euh, euh, ben, tuées. C'est une guerre qui a, euh, qui a opposé euh, l'Église catholique et l'Église protestante. Hein, donc, euh, voilà. Et. Euh, cette guerre fut euh, enfin, arrêtée, hein, a, été, était, fut, euh, a été mise, euh, et, euh, développée, bien sûr, mise en place, euh, déclenchée par, euh, bien sûr, euh, les religieux, les intégristes religieux qui ne voulaient surtout pas voir les réformés, donc les protestants, exercer librement euh, leur euh, culte. Voilà, donc euh, et la guerre a débuté et, euh, et elle a pris fin avec l'édit de Nantes voilà, l'édit de nantes signé par henri iv. et, euh, et euh, voilà, et cette guerre a fait effectivement beaucoup de victimes et beaucoup de réformés. beaucoup de, de protestants français euh, quittèrent la france pour aller au, en suisse, pour aller en angleterre, pour aller et, euh, également aux états-unis. et euh, voilà, donc beaucoup, beaucoup de chrétiens protestants avaient quitté euh, la france. et voilà, donc, il y a eu cette guerre là qui a fait quand même beaucoup de victimes. et il y a d'autres troubles hein, liés à la religion, hein, dus à la religion, qui sont signalés ici et là. Par exemple, des conflits que l'on peut voir en Inde entre hindous et euh, bouddhistes, euh, parmi les intégristes. Et vous avez aussi d'autres conflits entre chrétiens et euh, musulmans, notamment tout récemment en Centrafrique. Vous voyez, avec les Séléka, tout ça, et, et les musulmans. Et... Euh, et euh, il y a euh, certains, euh, certaines minorités chrétiennes, euh, comme musulmanes, pardon, qui sont réprimées en Chine, comme vous le savez. Euh, voilà. Il y a également euh, des chrétiens qui sont persécutés, euh, qui sont tués à cause de leur foi dans beaucoup de pays euh, musulmans, comme en Érythrée, comme en Irak, comme en, 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 en Afghanistan, en, en, en Arabie saoudite. Et comme dans plein d'autres pays musulmans où les chrétiens n'ont pas le droit d'exercer librement leur culte. Donc on voit bien qu'il y a des troubles et des conflits. Et donc euh, les raisons qui poussent les hommes à faire des guerres sont des raisons euh, multiples, hein, donc euh, sont légions. Il y a des euh, problèmes, euh, par exemple, à cause de l'argent, hein, à cause des biens, des richesses, les minéraux, tout ça. Il y a aussi euh, euh, la religion hein, qui, euh, qui est à la base aussi hein, de certains conflits. Euh, armées. Il y a aussi, aussi euh, les idéologies. Voilà. Les idéologies. Tous les ismes, le communisme, euh, les idéologies politiques, bien sûr. Hein, donc, on peut montrer hein, ces idéologies po politiques. Hein, donc, on a toute, un, toute, une, toute une liste, hein, je crois. Et euh, voilà. Donc, les idéologies, euh, euh, il y en a plusieurs. Le communisme, par exemple, a versé, a fait, a, a versé beaucoup, beaucoup de sang. Et euh, le populisme et y euh, le euh, l'inter l'internocalisme l'internationalisme voilà l'inter l'internationalisme il y a il y a plusieurs ça c'est le communisme tout ça avec staline avec euh, euh, mao euh, tout ça donc euh, et euh, il y a beaucoup de sang qui euh, qui beaucoup de sang qui qui sont versés hein, donc beaucoup beaucoup de personnes qui sont égorgés qui sont tués parce qu'ils n'ont pas voulu parce qu'ils ne veulent pas adhérer euh, à une euh, idéologie. Et, euh, le marxisme, tout ça, le communisme, le socialisme, tout ça, euh, euh, voilà. et euh, le nazisme, le fascisme, et euh, donc tous ces ismes, toutes ces idéologies, hein, donc, qui euh, constituent, bien sûr, des des, des prisons pour les hommes, hein, parce que l'homme a été créé libre. Et ceux qui, ceux qui ne veulent pas euh, souvent adhérer à certaines idéologies ben, sont persécutés, sont égorgés, sont tués, tout ça. Et euh, l'athéisme, voilà. euh, c'est aussi une idéologie. Voilà, c'est aussi une, une idéologie. Donc, euh, et, euh, toutes les idées que les hommes ont, que les hommes développent, et, euh, peuvent aussi, si euh, on n'est pas prudent, engendrer des conflits, des troubles, et, euh, parce que ceux qui refusent à chaque fois d'y adhérer ben, sont euh, déconsidérés, sont, peuvent être aussi persécutés, rejetés. Voilà, donc on voit bien que les raisons pour lesquelles les hommes se font la guerre entre eux sont légions, sont multiples. Les régions, euh, euh, raisons économiques, raisons, euh, euh, mes amis, euh, 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 financières, euh, raisons politiques, euh, raisons idéologiques. Donc il y a plusieurs euh, raisons qui poussent les hommes à se faire la guerre et on voit bien que derrière bien sûr euh, ces, 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 ces idéologies ces, ces, ces ismes derrière ces, 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 ces raisons bien, il y a des puissances ce sont de la parole hein, des puissances occultes qui travaillent qui euh, poussent les hommes à, à s'entretuer donc on a compris que il est question ici de, du deuxième cavalier hein, qui bien sûr va faire la guerre aux, aux gens et euh, au monde et euh, il va recevoir le pouvoir, nous dit la parole, d'enlever la paix de la terre. Effectivement, la paix n'existe pas, pas sur terre. Donc, vous voyez, toutes ces idéologies, dont les images vous sont diffusées présentement, eh bien, amènent toutes sortes de troubles. Rappelez-vous bien avec Hitler, bien sûr, euh, qui a, dont l'idéologie, euh, le fascisme, le, euh, a déclenché, déclenché euh, la Deuxième Guerre mondiale. Et voilà, donc il a fait quand même beaucoup de victimes, près de 72 millions de victimes, tout ça parce que ben, beaucoup ne voulaient pas adhérer à son idéologie. Et euh, voilà, donc euh, le nazisme, tout ça, le fascisme, euh, selon laquelle, hein, donc, selon cette idéologie, euh, il y a une race, appelle la race aryenne, euh, qui devait euh, dominer, écraser les autres, et que d'autres peuples, d'autres races étaient euh, bien sûr inférieures. Voilà, donc l'esclavagisme, les, les, tout ça, toutes ces idéologies là, tout ça le fait d'aller dans un pays, euh, d'imposer à un peuple, une population, une manière de faire, une manière de voir les choses, et euh, tout ça là, et euh, donc ça, tout ça là, ces idéologies là, bah, amènent des troubles. Voilà. Donc, euh, avec l'esclavage le, 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 que beaucoup de pays africains ont subi. Donc, ça a amené beaucoup de conflits, beaucoup de troubles. Et euh, également, beaucoup de guerres. Il y a aussi des, des, des pays qui ont essayé de résister hein, aux esclavagistes et tout ça. Et ces, ces hommes et ces femmes qui résistaient ont été décimés. Voilà. Donc, à coups de machettes, à coups de balles. Euh, voilà. Et euh, donc, tous ces toutes ces idéologies sont à la base de, comme là, euh, voilà, les images... Euh, des esclaves vendus, hein, qui vont être déportés, euh, plusieurs milliers de, de, de personnes, comme vous le, vous le savez certainement, hein, plusieurs milliers de peuples africains ou d'autres peuples, comme les Indiens de l'Amazonie, les Indiens de, 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 des États-Unis également, qui ont été décimés, hein, à qui on a imposé des idées euh, nouvelles, et des idées euh, auxquelles ils n'étaient pas du tout habitués. Ben, il fallait les fouetter, comme vous pouvez voir sur les dessins, dessins les images, et, hein, les égorger, les, les enchaîner comme des bêtes, hein, les mettre dans des cales, tout ça, des bateaux dans lesquels, dans lesquels il n'y avait pas beaucoup d'espace. Euh, ils pouvaient rester des, des mois et des mois sur les mers, euh, tout ça, et, euh, respirant difficilement, mangeant difficilement euh, et euh, faisant leurs besoins dans des conditions vraiment euh, atroces. Et à tout ça, au nom des idéologies, euh, des idéaux, au nom euh, de bien sûr la, la suprématie euh, d'une certaine, euh, n'est-ce pas, philosophie, tout ça. Là. Donc, voyez bien que et, euh, les raisons pour lesquelles les hommes se font la guerre sont vraiment nombreuses. Et mes amis, nous sommes vraiment à la fin. Nous prions, nous crions que Yeshua, notre Maître, revienne nous chercher parce que nous n'en pouvons plus, mes amis nous n'en pouvons plus. Et, euh, et bien sûr, comme je vous le disais, la guerre dans laquelle nous sommes présentement, la guerre dans laquelle les nations sont impliquées, toutes les nations aujourd'hui, pratiquement, et euh, de près ou de loin, directement ou indirectement, ben cette guerre-là, c'est la guerre de religion qui revient. Et cette fois-ci, c'est le, le monde qui, qui est impliqué. Pourquoi la guerre de religion Regardez ce que la parole nous dit, vous allez comprendre que je ne suis pas en train d'inventer des choses, que c'est vraiment la guerre de religion. C'est la troisième guerre mondiale c'est la guerre de religion. Notez bien, j'insiste là-dessus, nous sommes dans Apocalypse chapitre 13. Donc on, on va garder quelques images de guerre qu'on va montrer aux gens, la guerre de religion. Voilà, on va trouver les images à chaque fois pour diffuser aux frères et sœurs, pour qu'ils voient ce qui se passe. Et euh, nous sommes dans Apocalypse chapitre 13, et qu'est-ce qu'on y lit et, euh, et je vis monter de la mer une bête qui avait sept têtes et dix cornes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ceux ours, sa gueule était comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent aussi la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle et il lui fut donné une bouche qui proférait des discours pleins d'orgueil et des blasphèmes. Et il lui fut aussi donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa bouche pour blasphémer contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Donc ça, c'est le, le premier cavalier, n'est-ce pas C'est le premier cavalier. Et bien sûr, il travaille. En, en équipe, hein, il travaille euh, en collaboration euh, avec le deuxième cavalier à qui l'épée a été donnée, euh, à qui une épée a été donnée pour, a été donnée pour tuer les gens. Et il euh, lui fut aussi donné l'autorité euh, sur tout, toute tribu, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de la vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde et nous apprenons ici que la, c est, c est, cet individu, le premier cavalier assis sur le cheval blanc hein, c'est le premier saut euh, voilà, va se faire adorer donc il est question ici de l'antichrist il est question ici du maitreya hein, que les, les adeptes de la religion qu'on appelle le new age ou le nouvel âge attendent euh, voilà et, euh, ça, on en a parlé la dernière fois et on nous dit que la terre entière va l'adorer les gens qui n'ont pas euh, dont les noms ne sont pas dans le livre de vie euh, voilà ils vont l'adorer donc on voit bien que c'est une guerre de c'est la guerre de religion on se, re, on, on se retrouve ici dans la, dans la même configuration que shadrach meshach et abednego les trois amis de daniel le prophète dont il est question dans le livre de daniel chapitre 3 ils se sont retrouvés à babylone et là, on nous dit que le roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, va faire ériger une grande statue et il va demander à ce que tout le monde l'adore. Donc on voit bien que l'histoire se répète. Il n'y a rien de nouveau sur la Terre. Donc c'est la guerre de religion. Ça veut dire qu'il y a une religion qui va imposer au monde entier la conversion. Une religion qui va obliger les habitants de la Terre à avoir la marque de la bête, n'est-ce pas À l'adorer et à servir la bête, et ceux qui vont refuser, ils ben, vont être égorgés, ils vont être tués, n'est-ce pas Et ça va être quelque chose de terrible. Donc, euh, c'est la troisième guerre mondiale. Et qu'est-ce qu'on apprend également, mes amis Et euh, on nous dit qu'il lui a été donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et c'est fort, hein C'est fort. C'est fort, mes amis, ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'on qu qu voit au verset 11 Puis je vis une autre bête qui montait de la terre et qui avait deux cornes semblables à celles de l'agneau. Mais elle parlait comme le dragon. Donc la deuxième bête, n'est-ce pas, c'est bien sûr le faux prophète qui vient et qui s'habille comme l'agneau. C'est-à-dire va y avoir une, cette, 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 cette guerre de religion. Là, vous allez voir, ces religieux, de part et d'autre, hein, ils vont avoir une apparence pieuse. Ils vont avoir une apparence pieuse. Ils vont parler avec beaucoup de sagesse, mais sagesse humaine. Hein. Ils sont, la, la Bible nous dit que la première bête... À des discours pleins d'orgueil. Donc quand la bête parle, mes amis, c est, c est, c est, ce sont des gens qui maîtrisent la rhétorique, qui maîtrisent l'histoire et qui peuvent séduire les gens avec des discours pompeux, des discours très séduisants. C'est terrible. Et donc ce sont des prédicateurs, hein, de ces, de, 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 ce sont des religieux qui sont des prédicateurs avec des discours. On nous dit qu'ils arrivent à séduire les gens et beaucoup vont les suivre. C'est-à-dire y avoir une adhésion. De beaucoup d'hommes et femmes, beaucoup de jeunes, ils vont adhérer à, bien sûr, à cette idéologie religieuse, parce qu'il y a aussi les idéologies, bien sûr, politiques, comme on en a parlé, le communisme, tel que le communisme, et, euh, le fascisme, tout ça. Et, euh, et, euh, euh, et puis il y a l'idéologie aussi, les idéologies aussi religieuses. Hein, donc voilà, et euh, des gens qui viennent qui disent notre religion est la meilleure alors que Dieu n'est pas dans la religion. Donc on voit bien, mes amis, que là, cette bête, la deuxième bête, va monter de la terre. On a vu la dernière fois que la terre ici fait allusion à l'argile dont il est question dans Daniel chapitre 2. L'argile ou la terre, c'est une religion terrestre, donc à la tête de laquelle sera le deuxième euh, euh, ou la deuxième bête, hein, donc le faux prophète, qui ressemble à l'agneau. À un agneau, mais à l'agneau, c'est-à-dire à Yeshua. Et il parle, n'est-ce pas, cet individu parle comme un dragon. Pourtant, son apparence, mes amis, est une apparence pieuse. Donc, l'intérieur est pourri. Et on nous dit, et elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc, on voit que c'est une religion qui va imposer l'adoration de la divinité euh, adorée par ses, ses adeptes. On va obliger les, les gens à adorer cette bête, à adorer euh, à une divinité. Vous voyez Donc, euh, et Alors que la foi doit être quelque chose de, mes amis, euh, de, de personnel d'abord, dans un premier temps, et, euh, on doit faire les choses avec conviction. Et euh, quand on commence à se sentir obligé de faire les choses, ce n'est plus Dieu. Hein? Euh, Dieu n'impose pas les choses aux gens, Dieu propose. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort, il te propose de choisir la vie. Mais il va pas, Dieu n'est pas un dictateur, il n'est pas un méchant. Et euh, voilà. voilà. Donc, voyez bien que donc là, ici, là c'est une adoration obligatoire, comme dans Daniel chapitre 3. Et ceux qui ne vont pas adorer la bête, ceux qui ne vont pas adorer la statue de Nebuchadnezzar, euh, que Nebuchadnezzar, euh, le roi ou l'antichrist, donc le, le roi de la terre, va ériger, eh bien, ils vont être persécutés. C'est terrible, hein? Donc, c'est Daniel 3 qui se répète. Vous voyez C'est la même chose. Donc, vous devez lire euh, le livre d'Apocalypse en accord, en parallèle, euh, du, du livre de Daniel. Donc, les deux livres euh, vont ensemble. C'est la même chose, à peu près, qu'ils ont reçu. Vous hein on dirait les mêmes choses parce qu'ils ont tellement reçu des choses. Donc, on voit que la deuxième bête va obliger les habitants de la terre à adorer. À adorer, mes amis, euh, 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 l'image de la bête. Et l'image de la bête, selon Daniel 3, c'est aussi une, une statue. Hein? Une statue. Vous avez les religions qui, a, qui adorent les statues, qui adorent les pierres, qui adorent les créations au lieu du Créateur. Vous, vous rendez compte, mes amis, on est à la fin. On est à la fin, le Seigneur est en train de revenir. Vous voyez, les Écritures prennent toute leur, euh, tout, le, tout leur sens. Et parce que l'actualité, mes amis, euh, confirme la véracité des écritures. Voilà. Daniel 3, on dit quoi dans Daniel 3 Qu'est-ce qui est, qu était, qu est qu était écrit Daniel 3. Eh bien, euh, le, le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or dont la hauteur était de 60 coudées et la largeur de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Puis le roi Nebuchadnezzar envoya pour rassembler les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, euh, les, les juges et tous les magistrats des provinces afin qu'ils se rendent à la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar euh, avait dressée. Ainsi furent assemblés les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Ils se tenaient debout devant la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Alors un héros... Un héros alors, un héros cria à haute voix. Vous voyez, dans cette religion, vous avez des héros, c'est-à-dire des prédicateurs, des gens qui vont dire aux gens venez adorer notre Dieu, venez adorer notre religion, venez à vous convertir, venez, 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 tout ça. Et, euh, et les, euh, la, 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 la personne en question crie à haute voix en disant on vous fait savoir au peuple, nation et hommes de toutes les langues. Donc, on voit bien que c'est une religion mondialiste. Hein. C'est une religion qui va, bien sûr, fusionner avec d'autres religions pour. N'en créer qu'une. C'est le New Age qui sera le mélange de toutes les religions du monde, bien sûr. Et euh, bien sûr. Donc voilà, vous avez les images ici. Et euh, c est, c est, là, ce n'est même pas l'écuménisme, c'est le syncrétisme. Dedans, vous avez, n'est-ce pas, des catholiques, donc le pape, vous avez des musulmans, vous avez et, euh, des orthodoxes, vous avez des euh, imams, vous avez des euh, sikhs, hein, certainement, là. Vous avez, euh, il y a de tout, hein, donc euh, tout, toutes les religions pratiquement, hein, les représentants, le bouddhisme également, donc la plupart des religions sont représentées ici. Vous voyez mes amis, c'est sous vos yeux. Donc on voit bien que toutes les, toutes les nations, les peuples, les langues s'unissent hein, sous l'égide de la divinité, euh, euh, mes amis. Euh, que le monde, que les hommes ont choisi, c'est-à-dire le baphomé, le diable en personne, par l'intrémise de son serviteur préféré, de son enfant, c'est-à-dire l'antichrist. Donc on voit bien, mes amis, que et, et ben, cette entité religieuse va obliger les hommes à adorer la divinité principale reconnue par toutes les religions. Donc comme dans Daniel 3, et on nous dit, mes amis, que... Et euh, au dernier, dans Daniel 3.5, au moment où vous entendrez le son du corps, du chalumeau, de la guitare et de la sambugue, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous jeterez à terre et vous adorerez la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a hein, adressé. Quiconque ne se jetera pas à terre et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu de la fournaise de feu ardent. Vous voyez C'est terrible, hein Quiconque ne va pas adorer la statue, quiconque ne voudra pas avoir la marque de la bête, quiconque ne voudra pas, mes amis, adorer la divinité que la religion Saint-Christ va, va prêcher, adorer, que la religion mondialiste adore, plutôt, je dirais, parce que c'est le. Nous, nous, on y est, ben sera persécuté. Et c'est pour cela, chrétiens, frères et sœurs, vous qui aimez le Seigneur, sachez que. Les vrais croyants, ceux en qui le Seigneur a mis sa main, ceux sur qui le Seigneur a mis sa main, ceux, qui sont, ceux et celles qui sont connus par l'Esprit de Dieu seront persécutés. C'est pourquoi Joshua a dit que nous n'allons pas être acclamés, nous serons accusés faussement. On va nous jeter, mes amis, on va nous condamner, on va nous enfermer, nous emprisonner, tout ça à cause de la foi, à cause de la vérité. Et vous devez comprendre que l'heure est grave, que le Seigneur est en train de revenir. Il faut vraiment prier, hein, prier pour les nations, prier pour les habitants de ce monde, afin que, mes amis, qu'ils reçoivent l'éclairage de l'Évangile. Mais toutefois, toutefois, selon les Écritures, les choses ne vont pas s'arranger, les choses vont aller en, en empirant et de, de, de pire en pire. Et, et là, ben, mes amis, notre la solution pour l'humanité, c'est le retour du Prince de la Paix, justement. Et regardez. Derrière ces puissances occultes, derrière même, mes amis, le, 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 le deuxième cavalier, il y a des esprits. Regardez dans Apocalypse chapitre 16. Dans Apocalypse chapitre 16, qu'est-ce qu'on y lit Voilà. Alors, on nous dit... Et euh, à partir du verset 12, « Puis le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son notarie, afin de préparer la voie des rois venant du côté, du côté où le soleil se lève. Et je vis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête, donc la première bête, et de la bouche du faux prophète. » C'est-à-dire la, 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 la gueule la, de la, la bête ici, c'est le premier cavalier, c'est l'antichrist et de la bouche du faux prophète, donc la deuxième bête. Et on nous dit que trois esprits impurs, semblables à des grenouilles, vont sortir du premier cavalier, vont sortir de la donc, c'est-à-dire la, la, la première bête d'Apocalypse 13, de la deuxième bête d'Apocalypse 13, 11, et du dragon, le, serp, euh, le serpent ancien Satan. Trois esprits impurs. Quelle va être leur mission? Car ce sont des esprits de démons, ce sont des démons qui font des prodiges, ah, hein. et qui vont vers les rois de la terre, afin les rois de la terre et du monde entier, afin de les rassembler pour le combat de ce jour grand, hein, de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. Waouh! Voici, je viens comme un voleur. Et au verset 16, et ils les assemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Mm -hmm. C'est là, justement, l'objectif, c'est ça. Les amener à attaquer Israël. C'est ça. Donc, ça va être une guerre entre l'islam et le judaïsme. Une guerre, la guerre de religion. Et pourquoi Parce que, rappelez-vous bien, hein, c'est une guerre qui va impliquer toutes les nations. Hein. Voilà. Donc, vous devez comprendre que le centre cardinal, hein, selon la Bible, hein, le centre cardinal, c'est Jérusalem. Donc, quand on parle du royaume du Nord, on fait allusion aussi à la Turquie qui est au nord, n'est-ce pas, de la Turquie. Parce que la Turquie fait le pont entre, n'est-ce pas, euh, euh, l'Orient et euh, l'Occident. La Turquie compte, à part sur Terre, l'armée la plus importante en termes d'humains, d'hommes, de soldats, c'est l'armée turque. Ça, beaucoup ne le savaient pas. Beaucoup ne le savent pas. Et, et la Turquie, bien sûr, euh, sera appuyée par euh, d'autres pays comme aussi la Russie. Tout ça. Et, euh, et, euh, et ça va être une guerre terrible parce que la Russie, euh, euh, Gog et Magog, avec la Chine, la, la Russie, selon Ézéchiel 38 et 39, que vous pourrez méditer, mes amis, euh, la Russie soutient les nations, euh, beaucoup de nations musulmanes, et euh, notamment arabes. Et, euh, et, euh, et, euh, et la Russie ben, va. Fournir comme c'est le cas actuellement, la Russie soutient la Syrie, hein, arme bien comme il faut Bachar, euh, tout ça, le, pré le président Bachar, et, euh, et la Russie euh, va bien sûr euh, aussi euh, se lever contre Israël et euh, Israël qui est soutenu par les États-Unis, tout ça. Et voyez donc, ça va être une guerre mondiale. Pourquoi Parce que les États-Unis, bien sûr, sont une nation selon eux, euh, une nation chrétienne. Et le président américain, les présidents américains quand ils sont euh, lors de leur investiture, bah, ils jurent sur la Bible. Hein. Voilà. Donc c'est une nation euh, officiellement une nation chrétienne. Mais on sait que il euh, a pratiquement plus rien de chrétien là-dedans parce que c'est la nation qui fait plus de mal aujourd'hui sur le, sur le, sur le, dans le monde, hein, plus de dégâts. Voilà. Et, euh, et euh, donc et, euh, et là, on voit bien que Israël est soutenu bien sûr par les États-Unis, donc c'est va être une guerre qui va euh, être la guerre euh, entre les deux euh, principales religions du monde. C'est-à-dire, euh, euh, bien sûr, il est question de l'islam et du judaïsme, mais le judaïsme qui sera soutenu par le christianisme à l'occidental, c'est-à-dire à, euh, à l'américaine. Voilà, donc c'est pour cela que je vous dis que la troisième guerre dans laquelle nous sommes, c'est une guerre de religion. Donc l'objectif est de vouloir convertir le monde entier à, 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 à sa religion. Donc c'est ça. Et euh, mes amis, euh, qu'est-ce que nous apprenons ben, On nous dit que ça va être une guerre qui va s'étendre sur la terre entière. Et Zacharie 14, Dieu, Dieu dit dans Zacharie 14 justement, qu'est-ce qu'il dit là-bas Le Seigneur notre Dieu, dans Zacharie chapitre 14, il dit Dieu dit. Voici le jour de Yahweh arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi, Jérusalem. Je rassemblerai toutes les nations à Jérusalem pour qu'elles lui fassent la guerre. Donc c'est une guerre des nations contre Jérusalem. Pourquoi Parce que le Machia doit revenir à Jérusalem pour asseoir sa domination mondiale. Et là, ben, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que Jérusalem est réclamée d'un côté par les Hébreux et de l'autre par... Euh, les, les nations arabes. Donc on voit bien que c'est la guerre entre les deux enfants d'Abraham. C'est ça qu'il faut comprendre. Et, euh, et on nous dit justement que la ville sera prise, les maisons pillées, les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Alors Yahweh sortira et il combattra contre ces nations comme il a combattu au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis -vis de Jérusalem du côté de l'Orient. Et la montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, de sorte qu'il y aura une grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le nord et l'autre moitié vers le midi. Voilà, donc on voit bien que euh, c'est la guerre, hein, euh, guerre d'Armageddon, c'est la guerre dans laquelle, mes amis, nous sommes tous impliqués aujourd'hui. Voilà. Alors, il y en a qui veulent faire une différence entre la guerre, euh, bien sûr, d'Apocalypse 9 et celle d'Apocalypse 16. En fait, c'est la même guerre. Hein. Ce sont des choses qui se chevauchent hein, un peu. Parce que là, d'après Apocalypse 9, on nous dit qu'il y aura près de 200 millions hein, de soldats. Parce que le fleuve, le frat, va tarir. Or, le, le frat est, une, est, une, est un fleuve qui traverse la Syrie un peu, qui traverse, euh, mes amis, euh, la Syrie, euh, la Syrie et la Syrie. Donc, Assyrie euh, A, S, S encore, Y, tout ça, et la Syrie, Donc, euh, euh, c'est-à-dire S, I, Y, R, I, E. Donc, la Syrie, Damas. Donc, on voit bien que c'est une guerre qui va vraiment concerner cette région-là, qui va démarrer là, n'est-ce pas Et, euh, et c'est déjà le cas actuellement avec la guerre en Syrie, avec le conflit israélo-arabe. Euh, israélo-palestinien. Et euh, vous voyez, c'est cette guerre-là, justement, qui va s'intensifier de plus en plus. Et euh, voilà. Et c'est terrible. Et l'enjeu est vraiment spirituel, l'enjeu est vraiment euh, religieux, parce que les juifs veulent récupérer, bien sûr, euh, cette portion de terre-là euh, sur laquelle le temple, donc le mont du temple, tout simplement, sur lequel est construite la mosquée, euh, euh, voilà, une mosquée. Et, euh, et, et là, bah, c'est... Voilà, donc il y a vraiment ce conflit qui va s'intensifier là, mes amis, là. Et, euh, et Dieu dit lui-même, c'est lui-même qui va rassembler, lui-même va, lui va rassembler les nations pour qu'elles fassent la guerre à Jérusalem. Et qu'est-ce que Miché euh, nous dit justement dans Miché, et, euh, chapitre 4, verset 11, « Maintenant plusieurs nations se sont rassemblées contre toi et disent qu'elles soient profanées et que notre œil voit en Sion ce qu'il y voudra voir. » Mais elles ne connaissent pas les pensées de Yahweh, et ne comprennent pas ses desseins, car il les a rassemblés comme des gerbes dans l'air. Lève-toi et foule, fille des sions, car je te ferai des cornes de fer, et je te mettrai des ongles des reins et tu écraseras des peuples nombreux, et tu consacreras par interdit leur profit à Yahweh et leur richesse au Seigneur de toute la terre. Voilà donc euh, et, euh, maintenant rassemble tes troupes, filles de troupes. On a mis le siège contre nous. On frappera le juge d'Israël avec la verge sur la joue. Voilà, donc on voit bien que et euh, et Dieu prophétise ici par le prophète Miché, Miché au 8e siècle que les nations, comme Zacharie hein, l'a prophétisé, se rassembleraient, n'est-ce pas, contre Israël. Donc on voit bien que, mes amis, c'est déjà le cas présentement. Cette guerre va s'intensifier, donc ça va être terrible, mes amis. Terrible. 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 Et regardez, les, les, euh, Zacharie 12 nous dit justement que qu'est-ce qu'il dit Dieu? Dieu, qu'est-ce que Dieu dit? Et euh, euh, dans Zacharie 12, et euh, au verset 2, voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et au, aussi pour Judas dans le siège de Jérusalem. Donc, on voit bien que les peuples d'alentour, ce sont des nations musulmanes, et, et là, ben, Dieu dit que Jérusalem serait sera une coupe d'étourdissement. Et euh, au verset 3, et, elle, et, il arrivera en, et il arrivera en ce jour-là que je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la souleveront seront meurtris, meurtris, Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle, contre elle. Voilà. Donc on voit bien qu'il là, on nous dit que Yahweh va frapper les tours du tous les chevaux et de folie ceux qui les monteront. On voit bien qu'il est question des chevaux ici. Donc il est question des chevaux. On peut voir aussi l'image des chars, hein, hein, des chars. Parce qu'on nous dit qu'il y aura, euh, selon un 9, n'est-ce pas, des sauterelles. Hein? Donc, euh, Jean a vu des sauterelles. En fait, on peut comprendre que c'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le mot char. Ça n'existait pas. C'est pour cela qu'il dans, dans, euh, parle de chevaux et euh, il parle des, des, des sauterelles. Les sauterelles, on peut y voir aussi l'image des hélicoptères. Hein? Regardez un peu les, 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 si on peut trouver les images des, des, des hélicoptères, là. Mes amis. Les, les hélicoptères de guerre, là. Donc c'est ce que Jean nomme certainement par appelle par euh, Voilà. Voilà. Voilà un peu les images des hélicoptères de guerre, là. Donc on va les défiler là à chaque fois. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui tombait du ciel sur la terre. Et la clé du puits de l'abîme fut donnée à cet ange. Et il ouvrit le puits de l'abîme, et une fumée monta du puits comme la fumée d'une fournaise, grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée du puits et se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Et il leur fut dit de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas la marque de Dieu sur leur front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois. Et le tourment qu'elles causait était comme le tourment que causent les scorpions quand ils piquent un homme. Et en ce jour-là, les hommes chercheront la mort, mais ils ne la trouveront pas. Et ils désireront mourir, mais la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblent à des chevaux. Vous vous rendez compte Voilà. Ces sauterelles ressemblent à des chevaux. Quand on voit ces hélicoptères-là. Hein, donc, préparés pour la guerre. Et sur leur tête, il y a comme des couronnes semblables à de l'or. Sur leur tête. De couronnes. Regardez cet hélicoptère-là. Sur leur tête, j'en dis, il y a comme des couronnes. Vous ne voyez pas que sur la, la tête de l'hélicoptère là au-dessus, c'est comme, euh, voilà, comme une couronne, là, mes amis, là. Il a vu les hélices là. Il a vu toutes ces, toutes, toutes ces couronnes-là. Vous voyez? En fait, il a vu les hélicoptères. Parce que quand ça tourne, quand les hélices tournent là, c'est comme une couronne, comme un chapeau. Donc il a vu les hélicoptères parce qu'à l'époque. Il n'y avait pas le mot hélicoptère. Donc, Jean a vu cette guerre, cette guerre avec les hélicoptères et leurs faces étaient comme des faces d'hommes. Vous voyez bien quand on voit la face d'un hélico hélicoptère, c'est comme, comme la face d'un homme. Regardez ça. C'est comme les vitres, là, comme, comme des yeux. Il y a le nez, il y a comme les yeux. Vous voyez? Vous voyez les couronnes là? Elles avaient les cheveux comme des cheveux de femmes. Les hélices, là, mes amis, là, parfois c'est comme les cheveux, hein, les longs cheveux. là, Voilà. Et leurs dents étaient comme des dents de lion. Hum? Leurs dents comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer. Ah ben oui, des cuirasses comme des cuirasses de fer. C'est fait avec quoi ah ben, voilà. Et le bruit de leurs ailes comme le bruit des, des chars à plusieurs chevaux qui courent à la guerre, les bruits. Eh bien, les hélicoptères font, des, font du bruit. Voilà. Vous voyez Elles avaient des queues armées d'aiguillons. Elles avaient des queues. Regardez les queues des les hélicoptères. Armées d'aiguillons. Comme les scorpions. Et c'est dans leurs queues qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant euh, plusieurs mois, pendant cinq mois. Elles avaient sur elles comme roi. L'ange de l'abîme, dont le nom est en hébreu, hein, dont le nom en hébreu est Abaddon, mais en grec son nom est apollion Le premier malheur est passé, voici encore venir deux autres malheurs après euh, celui-ci. Donc on voit que mes amis, et euh, et c'est vraiment quelque chose de terrible, et, et c'est terrible. Le, le Seigneur nous prépare, mes amis, là. Et regardez au verset 13. Alors le sixième ange sonna de la trompette et j'entendis une voix sortant des quatre cornes. De l'hôtel d'or qui est devant Dieu, et disant au sixième ange qui avait la trompette Délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve, le frat. On délia donc les quatre anges qui, avaient, qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, donc Dieu a le temps, afin de tuer le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 200 millions, car j'en ai entendu le nombre. Et j'ai vu aussi dans la vision les chevaux et ceux qui étaient montés dessus ayant des cuirasses et de feu. Des cuirasses de feu, pardon. D'hyacinthe et de soufre. Et les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions. Et de leur bouche sortait du feu, le feu, les armes. Hein? Le feu, on dit bien armes à feu. Hein? Et de la fumée. Quand ça tire, il y, y a du feu et de la fumée. Et du soufre. C'est exactement ce que, ce, ce que les armes, mes amis, les armes à feu produisent. Hein? Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu et par la fumée et par le soufre qui sortait de, la, de leur bouche, car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue, dans leur bouche et dans leur queue, et dans leur queue était et leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. C'est terrible, mes amis. Donc cette guerre, là, mes amis dans laquelle on s'est engagé, engagé la mes amis là, ça va être quelque chose de terrible. Donc voilà. Préparons-nous car le maître n'est plus loin. Regardez le char de feu. Vous voyez le feu? Ça crache du feu. On voit bien que, mes amis, là, Jean a vu les hélicoptères qu'il a nommés sauterelles. Il a vu des chars de feu qu'il a aussi nommés, mes amis, sauterelles. Et il, il dit que dans leur bouche, hein, donc c'est devant là, ça crache du feu. Hein, il parle de des cuirasses. Regardez comment ce char de feu est, est, est couvert. Hein, donc euh, protégé avec ces... Euh, ce métal-là, je crois que c'est du fer-là. Vous voyez? Donc, Jean a vu tout ça et il y a beaucoup de bruit. Donc, on voit bien que la prophétie biblique concernant la Troisième Guerre mondiale est en train de s'accomplir présentement et beaucoup de chrétiens dorment. Beaucoup de chrétiens sont encore de la distraction. Regardez-moi ça, mes amis. Et ça crache du feu devant. Vous voyez? Et, euh, et, et, et voilà la cuirasse, mes amis. Regardez la cuirasse, tout ça. Donc, on voit bien que nous sommes en train de vivre ces choses depuis. C'est pour cela que Dieu nous a dit qu'il est minuit pratiquement, qu'il est l'heure de se réveiller, qu'il est l'heure de se sanctifier parce que le Machia n'est plus loin. Qu'il faut sortir de la distraction, sortir, mes amis, euh, euh, de la distraction véritablement et, euh, afin de se préparer pour le retour du Mashiach. Le quatrième cavalier a été, mes amis, euh, euh, a déjà été libéré. Et le le, le, les, les, anges qui, qui, les quatre anges, mes amis, qui sont au niveau du fleuve de le, l'Euphrate sont également déliés. Et la parole nous dit dans, dans, dans Daniel, chapitre 7, que la petite corne, hein, qui fait partie du quatrième empire, c'est-à-dire Babylone actuelle, euh, va euh, faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Hein, la corne en question, c'est le premier cavalier, c'est l'antichrist, c'est le maîtreia, c'est euh, l'homme impie, l'homme du péché, qui va s'asseoir dans le temple de Dieu pour se proclamer lui-même Dieu. Selon 2 Thessaloniciens, chapitre 1. Chapitre 2, pardon, à partir du verset 1er. Vous voyez bien que c'est la guerre des religions, là, parce qu'on nous dit que l'Antichrist va s'asseoir dans le temple, il va se proclamer le même Dieu. Et ceux qui ne vont pas l'adorer, comme dans Daniel 3, seront persécutés, comme Shadrach, Meshach et Abednego. Voilà. Chrétiens, c'est l'heure de se préparer pour le retour du machin. Je ne vous parle pas de la religion. Je ne vous parle pas de la, mes amis, euh, de l'argent, je ne vous parle pas, mes amis, euh, des vêtements, je ne vous parle pas de l'appartenance à une église quelconque. Je, je, Dieu interpelle, Dieu nous invite tous à la repentance, pasteur, prédicateur, prophète, diacre, ancien, évangéliste, peu importe votre fonction, si vous voulez aller au ciel, c'est l'heure de se préparer, c'est l'heure de se sanctifier, c'est l'heure de sortir de toutes ces distractions sur internet euh, qui nous amène à aller regarder, regarder des vidéos qui critiquent des gens, euh, des critiquent des gens dont on ne connaît pas la vie. Des gens qui sont sur, assis sur leur canapé, comme vous le savez, et qui font le ministère du canapé, et qui passent leur temps, mes amis, à aller chercher, qui sont des chroniqueurs, qui passent leur temps à aller, fouiller dans, à aller fouiller partout pour aller faire leur ministère. Non, il faut des gens qui méditent la parole et qui vont nous parler du ciel, qui vont nous parler de la sanctification, qui vont dénoncer le mal, bien sûr, dénoncer Babylone, oui. Mais qui dénoncent parce qu'ils ont approché les gens, qu'ils ont côtoyé, ils ont vu que les gens ne craignent pas Dieu, ils ont essayé de le ramener à la sanctification et qu'ils ont refusé. Là, ils peuvent dénoncer le mal, oui, et les dénoncer, oui. Mais pas des gens qui sont assis, qui sont à des kilomètres et qui vont, mes amis, dénoncer parce que des gens leur envoient des mails, leur envoient des vidéos et eux, ils font leur ministère. Ça, ce ne sont pas des enfants de Dieu, ce sont les gens qui distraient les gens, ce sont les serviteurs du malin. Hein. Il faut se préparer, mes amis, au retour du machia. Nous ne parlons pas non plus des gens, bien sûr, qui vont qui se disent prophètes et qui vont prier pour que de l'argent sorte dans la poche des gens, dans les sacs des gens, des gens qui sont constamment costumés et cravates, qui vont, mes amis, séduire des jeunes, qui vont bien sûr doter des gens et coucher avec des jeunes filles et aller prendre d'autres filles à la place, mes amis, et qui sont excités comme des puces, qui pensent que le ministère, c'est le fait de se mettre en costume et cravate, et qui, mes amis, se font appeler prophètes tous les quatre matins, et, mes amis, et, et, et ils sont complètement dans la séduction. Et qui pensent qu'ils sont les prophètes de la réforme alors qu'ils sont complètement déformés. Et ces gens-là, bien sûr, qu'il faut dénoncer en permanence. Et, euh, et on ne va pas se taire, bien sûr. Ce n'est pas une guerre charnelle, mais c'est une, mes amis, guerre pour défendre la sainte doctrine, pour préparer les frères et sœurs à l'enlèvement de l'Église. Voilà. Donc que le Seigneur soit béni, des gens qui disent aux gens voilà il y, euh, y a tel frère, euh, voilà il y a tel numéro de téléphone, c'est qui, euh, j'ai reçu un numéro de téléphone, tout ça c'est la sorcellerie, c'est la mystification des gens qui prient pour que l'argent sorte, pour que les gens aient des unités télé téléphoniques sur leur portable, tout ça, tout ça c'est la magie, c'est la sorcellerie, c'est l'envoûtement et ça il n'y a pas de problème. Voilà, nous sommes dans un temps de confusion. Il est temps de se préparer chrétiens au retour du Mashiach. Nous ne sommes pas là pour vous demander, nous ne vous demandons pas d'aller combattre charnellement. Nous vous demandons d'être dans l'amour, d'être dans la paix, d'être dans la joie, de prier pour les autorités, de prier pour toutes les religions, pour que les vrais croyants qui cherchent Dieu sincèrement, même s'ils sont dans la religion, que Dieu les éclaire pour qu'ils découvrent que, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Que Yeshua n'est pas la religion, que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, que Yeshua, le prince de paix, revient. Pour mettre fin à la guerre d'Armageddon. Et regardez, pour finir, je vais lire un passage, et euh, bien sûr, dans Apocalypse chapitre 19, et on va s'arrêter là. Donc il y a eu plusieurs guerres, hein, donc guerre spirituelle, euh, guerre dans le ciel, tout ça avec euh, Michel et ses anges. Voilà. Et dans Apocalypse 19, qu'est-ce qu'on entend Qu'est-ce qu'on lit ici À partir du verset, euh, mes amis euh, 11. Puis je vis le ciel ouvert. Alléluia. Et voici paru un cheval blanc. Ah, ça c'est un autre cheval. Gloire à Dieu. Et celui qui était monté dessus s'appelle fidèle et véritable. Ah, parce que le premier cavalier, il n'était pas fidèle et véritable. C'est un faux. Et il juge et combat avec justice. L'autre ne, ne, ne combat pas avec justice. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et il y avait sur sa tête plusieurs diadèmes et il avait un nom écrit que personne ne connaissait, ce n'est lui même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang, et son nom s'appelle la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel, oh yeah, yeah, yeah. au ciel il n'y a pas une armée, mais des armées. Le suivez sur des chevaux blancs. Là, c'est le retour de Yeshua physique, du Mashiach, revêtu de fin lin blanc et pur, de sa bouche sortait une épée tranchante pour frapper les nations. Et il les gouvernera avec un sceptre de fer. Il foulera la cuve du vin de l'indignation et de la colère du Dieu Tout-Puissant. Et sur son vêtement et sur sa cuisse étaient écrit ces écrit, écrit paroles. Le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Alléluia. Il vient mettre de l'ordre. Il vient mettre, mes amis, installer la paix. Puis je vis un autre ange. Je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Un ange qui se tient dans le soleil. Vous avez vu, il ne va, va pas cramer, mes amis, parce que Dieu a créé le soleil. Il criait d'une voix forte et dit à tous les oiseaux qui volait au milieu du ciel. Venez et rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, et la chair de toutes sortes de personnes libres et esclaves, petits et grands. Alors je vis la bête, c'est-à-dire le premier cavalier, l'Antichrist, et le roi de la terre, et leurs armées, rassemblées pour faire la guerre contre celui qui était monté sur le cheval et contre son armée. Ça, c'est le paroxysme de la guerre d'Armageddon. C'est, mes amis, le retour visé de Yeshua. Maintenant, ils vont diriger leurs armes contre nous, quand on va revenir physiquement, visiblement. Car, parce que Israël sera tellement fatigué à cause des attaques des nations. Les Juifs seront fatigués. Les, les habitants de la Judée, de Jérusalem seront fatigués. Mes amis, ils seront épuisés. Quand, comme Daniel l'a dit, quand le, la force du peuple saint sera épuisée, c'est alors que Dieu va intervenir. Alléluia. Et la bête fut prise. Et avec elle, le faux prophète, la deuxième bête. Oh, alléluia, qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Et ils furent tous deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et le reste fut tué par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était monté sur le cheval. Et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair. Là où, les aigles, là où il y a le cadavre, c'est là où il y a les aigles, nous dit Matthieu et Luc. Alléluia, gloire à Dieu. Waouh! Et là, mes amis, le dragon sera saisi et jeté dans les temps de feu, et jeté dans les temps de feu, jeté d'abord en prison pendant mille ans. Et mille ans de paix, plus de guerre, plus rien, fini, fini, fini. Mille ans après, Satan voudra, quand il sera sorti, libéré, il va rassembler encore une autre armée des gens, et il va attaquer la ville, le camp de Saint, et un feu tombera du ciel pour le consumer. Satan sera jeté dans les temps de feu pour de bons. Et c'est là qu'il va, mes amis, brûler, brûler éternellement avec les faux croyants, avec les impies, avec tous les rois, les présidents, les autorités, les sénateurs, les députés qui ne voulaient pas se convertir, qui ont préféré la franc-maçonnerie, la rose-croix à Jésus, qui ont préféré le sexe, l'argent à Jésus-Christ de Nazareth. Mes amis, nous sommes à la fin. Nous vous laissons cinq minutes pour appeler si vous le souhaitez, afin d'éventuellement de nous poser vos questions. Que Dieu soit béni pour sa parole. Waouh! Alors, ça, c'est des résumés, on ne peut pas tout donner parce que, voilà, il faut des, des, des mois et des mois pour développer juste l'ouverture du premier saut et du deuxième saut et du troisième saut, saut et du quatrième saut jusqu'au septième saut. Voilà. Après les enseignements sur les sauts, on va attaquer l'enseignement sur, on va attaquer sur les trompettes. Après les trompettes, on va attaquer sur, mes amis, les, les coupes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire concernant le temps dans lequel nous sommes. Nous attendons tous, mes amis, le retour du Mashiach le prince de paix. Voilà, que Dieu soit béni. Donc, je crois que vous avez été éclairés et, euh, par, ces courtes par cette courte exhortation et euh, que Dieu vous garde. Alors, OK, on a quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, euh, je suis en direct Oui. Oui, en fait, j'ai appelé pour poser une question qui me, qui me tourmente un petit peu. Euh, en fait, c'est au niveau de l'éternité. Euh, en fait, dans la Bible, il est dit que euh, les morts ressusciteront premièrement, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et que les chrétiens, en fait, seront, euh, revêtiront en fait, des corps incorruptibles et ils seront on enlevés comme ça, en fait. Mmh et euh, après ça, il y aura le retour de Jésus sur terre, il y aura le règne de bilan et après ça en fait euh, euh, si je me souviens bien, Satan il va, il va essayer de séduire encore des personnes, et mm -hmm. quand il va réussir, après il y aura le jugement dernier, et donc toutes les personnes qui étaient mortes sur cette terre, ils reprendront leur corps physique en fait, mm -hmm. c'est bien ça mm -hmm. donc du coup, en fait l'éternité on le passe avec notre corps physique, on ne le passe pas qu'en esprit en fait en fait quand on va être enlevé c'est ça quand on va être enlevé, et même après parce que je sais qu'après, d'après ce que j'ai compris, euh, même après ça, les, tous les morts ressusciteront en fait pour être jugés devant en, le trône. En fait, on va être ressuscité avec nos corps physiques. C'est ça la résurrection. D'accord. C'est une résurrection corporelle, comme Yeshua quand il était ressuscité. Oui. Voilà. Donc quand il est ressuscité, quand il a ressuscité, et euh, il était, il avait un corps que l'on pouvait toucher. Il le dit, il n'était pas un esprit. Il dit, un esprit n'a ni corps ni, ser, ni chair, comme vous voyez que j'ai tout ça euh, voilà donc ni, 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 ni chair ni os et, euh, et on aura le même corps et des corps bien sûr euh, imputrescibles incorruptibles et nous allons être enlevés et on va revenir pour rentrer dans le royaume euh, terrestre euh, millénaire avec ce corps glorieux d'accord donc en fait tout être humain et on va dire et on, pas immortel mais éternel en fait euh, non pour nous, pour en pas, nous ne sommes que pas nous ne sommes pas non, en fait, non. Nous, nous, les, les humains ne sont pas éternels parce que euh, quand on dit, on parle d'éternité, Dieu seul est éternel dans le sens où il n'a pas eu, il pas de commencement de vie, et il n'a pas de fin de vie. Nous avons la vie éternelle et euh, le, voilà. Mais sinon, on n'est pas, euh, on a, seul Dieu est l'éternel. D'accord. D'accord, c'est ce que je voulais savoir parce que comme je sais que tout le monde dit que oui, ce corps, de toutes les passions, on peut pas ce qu'on veut avec parce qu'il va rester, tout euh, le monde partira en esprit. Et quand je lis la Bible, je vois qu'en fait, même le corps-là, il repartira avec ou pas. Donc, euh, on partira ça. avec ce corps-là, transformé, bien sûr. D'accord. D'accord. Philippiens nous dit qu'il va transformer notre corps euh, d'humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. D'accord. Philippiens 3, que vous pouvez éventuellement lire, euh, méditer ce soir. Merci. Merci bonne Mais pour nous, notre cité est dans les cieux, d'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps, n'est-ce pas, ville, pour le rendre conforme à son corps glorieux, selon le pouvoir par lequel il peut même s'assujettir toute chose. On va prendre juste trois coups de fil ce soir. Donc le deuxième, je pense que... Alors, à... Allô, bonsoir. Oui, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous éloigner de votre téléviseur ou ordinateur Oui, là, je vous appelle depuis l'Espagne, depuis Barcelone, j'aimerais parler au frère Chora. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre ordinateur, s'il vous plaît Oui, je suis éloigné, là. D'accord, vous êtes en direct On a compris. Ouais, vous êtes en direct. Qu'est-ce que vous voulez dire mmh. Oui, je suis en direct là. Oui, monsieur, mais mon frère, qu'est-ce que vous voulez dire Vous êtes en, di en direct, effectivement. On n'a pas beaucoup de temps. Euh, C'est juste lui poser. Comment Bon, l'équipe va gérer ça, parce qu'on a un petit souci là, parce que là, voilà. Donc, euh... voilà. Donc euh, quand on appelle comme ça, il faut... Voilà, on s'éloigne de son ordinateur, et puis on ne va pas chercher à écouter encore l'ordinateur en question. On parle au téléphone comme... Bah, quand vous parlez, bah, nous, vous nous vous entendons, il n'y a pas de souci. Allô Ok, c'est bon. Voilà, mes amis. On va prendre une dernière personne. Allô, bonsoir. Bonsoir, euh, j'avais euh, bon, euh, 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 une petite question. En, okay. fait, euh, euh, en fait, à certains endroits, il est dit que... De, de Christ euh, physiquement, euh, il, il viendrait avec ses, les saints anges lorsqu'il reviendrait dans sa gloire avec ses saints anges. Mais à d'autres endroits, il est dit qu'il reviendra avec ses saints. Mais ces saints-là, c'est qui C'est nous. C'est nous les croyants. Hein, c'est nous. Donc, euh, il y a les saints anges et aussi d'autres saints parce que nous sommes appelés aussi saints, hein, comme euh, Paul le dit hein, dans tous ses épîtres, pratiquement, notamment dans euh, Romains 17, où il dit au saint de Rome. Donc, il va revenir avec ses saints physiquement. et après l'enlèvement, euh, quelques temps après, on va revenir visiblement avec Yeshua, notre Seigneur. D'accord. Voilà. Dans un Saint dionicien aussi, c'est pareil, puisque il dit aussi, Paul dit aussi qu'il qu qu parlait, qu parlait d'un mystère comme quoi tous, euh, euh, bon, disons, des chrétiens euh, seraient, euh, comment dire ça Transformés. Seraient élevés dans, dans les airs et que... En fait, c'est ce le moment où Christ vient, et on serait, serait élevé dans les airs, mais ça voudrait dire qu'on ne vient pas avec lui. Enfin, je veux dire, euh, on est enlevé avec euh, le Seigneur, entre deux, non on est enlevé par le Seigneur, là c'est l'enlèvement, c'est l'église, c'est voilà. et ensuite après le jugement au tribunal, parce qu'on va passer au tribunal de Christ après l'enlèvement, pour rendre des comptes sur la gestion de nos dons, de nos talents, des biens que Dieu nous a confiés, ce jugement n'aura pas pour but, bien sûr, de nous condamner, mais juste pour nous récompenser. Et ensuite, on va passer aux noces. Après les noces, bien sûr, on va revenir maintenant physiquement avec le Seigneur. Il vient en deux temps. Il vient premièrement pour l'Église, composée des Juifs et des nations qui ont, bien sûr, reçu, accepté Yeshua comme étant le Machia. Et ensuite, il va revenir physiquement pour Israël afin d'établir le règne de Milan. Qu'il a promis à David dans 2 Samuel, chapitre 7, verset 14. D'accord. Voilà. Et là, quand il va revenir physiquement pour Israël, ben, on sera avec lui parce que nous, on aura connu un enlèvement. Euh, bien sûr, euh, on, on aura connu hein, l'enlèvement. Donc, on va être ravis euh, euh, au ciel pour passer au tribunal et les, les noces. Et ensuite, on va revenir avec lui pour Israël. Ok. J'ai aussi une toute petite. Mmh. Euh, ça concerne les juifs. Euh, je veux dire que, en, en fait, je me pose la question, euh, les juifs qui se convertissent présentement, disons que le, le Seigneur revient tout de suite, eux aussi, ils sont enlevés S'ils ont reçu Yeshua comme Seigneur et Sauveur, oui, ils font partie de l'Église. Dans ce cas-là, ils vont partir avec nous. Donc, euh, tous ceux qui restent, en fait, tout, tout ce qui concerne l'Armageddon et tout ça, c'est tous ceux qui n'ont pas reçu Christ comme Sauveur. Effectivement mais, toutefois, tout, effectivement, mais toutefois cette guerre là on a déjà ça, elle a débuté déjà avec tout ce qui se passe dans le monde. Mais euh, maintenant euh, l'Armageddon euh, ça va être vraiment euh, et, euh, comment dire euh, ben, ça va être le, le, le paroxysme de la guerre, euh, de la troisième guerre mondiale. Voilà. Et selon Joël 2, et Joël III, 3, no, 3 eh ben, Dieu va rassembler ses nations justement, ses armées à la vallée de Josaphat. C'est là qu'il va les juger donc c'est en Israël donc là, pour nous croyants on ne va pas bien sûr euh, vivre cet Armageddon mais euh, c'est la persécution euh, à cause de, la, de notre foi on l'a subi depuis, on l'a toujours subi en tant que croyant en, en, en Dieu bien sûr, en Yeshua mais euh, l'Armageddon, ça c'est une guerre euh, qui concerne particulièrement Israël c'est les nations qui vont se retrouver autour de Jérusalem pour, euh, pour, 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 pour détruire ce pays pour récupérer ce bout de terre afin d'asseoir euh, euh, le gouvernement impie. Parce qu'on nous dit que l'homme impie va, asseoir, euh, va vouloir se faire adorer dans le temple, il va se faire passer pour Dieu lui-même, et c'est ça qui va déclencher justement cette, cette euh, révolte-là. Okay. voilà d'accord. Voilà frère, bon courage. Ok, ben je, vous, je vous remercie, et euh, merci pour cette émission, et euh, que Dieu vous bénisse et... Euh et à la prochaine, peut-être dans le siège, je ne sais pas. Ouais, bon. pourquoi pas, si Dieu, ouais, s'il revient euh, là, là, on, on croit qu'il du... peut revenir d'une seconde à l'autre. Hein, donc... Vous êtes de La Réunion euh, Non, je suis euh, euh, de la Martinique. Martinique et En ce moment, je suis en France. D'accord. Comment ça se passe à Martinique alors euh, J'en sais rien. Euh, euh, comment ça Je ne sais pas. En fait, là, je suis. Euh, J'ai viens... enfin, terminé mes études, mais je suis encore en France, en métropole, et. Euh... Pour un Martinique, euh, ça fait un petit moment que je suis pas retourné, donc voilà. D'accord, mais que Dieu soit béni en tout cas frère, bon, bonne continuation. Ok, merci, et bien à vous aussi. Merci, Denez au revoir. Pas, euh, pour les combats et tout ça, et pour euh, l'œuvre que vous faites, que Dieu soit béni. Merci au frère, au revoir. En tout cas mes amis, je sais que vous êtes nombreux à vous le rappeler, mais euh, sinon on ne va pas euh, s'arrêter, on va pas finir l'émission, mais demain si Dieu permet, on pourra com commencer par des questions réponses en relation avec cet enseignement, si Dieu le permet. Voilà, alors à demain, au revoir.